Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite de Crash Bandicoot 4, épisode 2. Épisode 2, les potes. Enfin, j'ai regardé vite fait si le son marche bien. Après, ouais, ça a l'air d'aller. Je vais augmenter un peu le son de mon casque de mon côté. Et donc voilà. Voilà. On se retrouvera aussi rapidement pour la suite de Série XXX. Il n'est pas très long et puis on a bientôt fini d'ailleurs. Tiens, on a pris Coco là. Pourquoi on a pris Coco? Oh, on peut faire un niveau avec Coco. Oh bah attendez, on va faire un niveau avec Coco. Là, on va regarder vite fait la cassette flashback qu'on a récupérée dans le dernier épisode. Du coup, c'est les origines de Crash, pardon. On va voir un petit peu ce que ça donne. Journal d'expérience. Sujet de test Bandicoot numéro 1. Merde. Oh, oui! Les caisses sont faites pour être détruites. Elles n'ont pas été placées pour faire office de mur impénétrable. Il faut que je modifie les prochains tests. À la concentration 1, 2, 3, 4 et 5, bam, on passe. Ouais, bah oui, évidemment. Mais c'est super long en faisant comme ça en vrai, hein. Ouais, tant pis pour la caisse là-bas parce que sinon ça va me prendre la tête. À devoir tout récup. Checkpoint. Il est encore en vie. Intéressant. Ouais, il met pas là par contre. Mais là c'est ce que je dis dans Luke. Là c'est vraiment. Mais merde, ça fait deux fois! Un, deux, trois, hop, on saute. Un, hop. C'est un bordel! 4, 5, tac. En fait, ça me fait stresser ce genre de truc là parce que c'est vraiment calculé là. Au millimètre près. Ce qui fait que bah, du coup ça devient un gros bordel rapidement. Ok, bah il m'en manque une, mais premier test terminé. C'est pas grave. Bien joué, le sujet. Et on continue. Ouais, ça rajoute un petit quelque chose du coup. Hein. C'est tout? D'accord, donc c'est une seule cassette. Ok, bon, on va jouer avec Coco Bandicoot, si le jeu me permet. Ok. C'est vrai que la première fois qu'on a pu jouer avec Coco, c'est dans Crash 3, je crois. 2. Non, je crois que ça devait être le 3, je crois. Et puis ils ont repris le principe avec Crash la vengeance de Cortex. Le spectacle du ciel, ce soir à 22h. Boing. Allez. Casse-toi, toi. Ah,
Ah bah oui. Ah bah bravo. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'active les TNT, du coup, parce que c'est considéré en fait comme des caisses. C'est pas comme la Nitro en fait où tu la fais péter à distance avec les trucs de fin de niveau. La TNT en fait n'explose pas d'elle-même. Et donc c'est considéré vraiment comme des caisses. Je prends. Je vais attendre. Ok. On va avoir un checkpoint ou pas du tout là? Oui. Magnifique. Ah, ok, je savais pas. Je savais pas ce que c'était. Dans tous les cas, l'autre il a détruit la caisse, c'est déjà pas mal en vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, c'est une autre cassette ça? Je crois que je peux pas l'avoir. Et on y va pour la zone bonus. Vous voyez le bordel que ça fait ce truc? Si t'as le malheur de toucher ça, voilà quoi. Mais non! Mais si! Je me disais bien aussi que ça allait faire n'importe quoi. Comment on fait pour passer là du coup? Comment on fait? Je voudrais bien changer mon filtre anti-pop sur le micro. En train de voir du coup. Pour voir un autre truc. Mais attendez, donc, hop, je vais me faire péter là-dessus. Je vais voir un autre truc parce que... Les zones bonus sont pas considérées comme des morts. Enfin, on... ça me compte pas du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on passe pas là-dessus. Ok. Mais oh! Pourquoi elle a le coup de pied trop trop rapide? Bah trop tard, oh c'est pas grave. Oui bah oui, en plein dessus, bravo. C'est compliqué quand même. Je pense que ça va vite être agent. Parce que là on est qu'au début hein, du coup, mais à mon avis. Non. J'ai pas fait exprès. J'ai glissé, chef. Ah, ça fait mal au cul, ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, mais non, mais ça va beaucoup trop vite. Allez, une dernière fois. Coco Bandicoot. Énorme Coco. Ouais, oui, comme ça aussi, c'est bien. C'est nimp. Oh, le bordel. Vous voyez, ça reste à 3 normalement le compteur. Voilà.
Pas grave, ça me casserait l'autre. C'est bon. Oh, d'accord. Bah, je me suis fait toucher déjà. Hop. Checkpoint. Et toi. Hop. Et checkpoint. Ok, comment on fait encore? Triangle, ok. Ouf. C'était pas cool ça. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Non. Rip. Bah oui, c'est bien suisse. Et t'es trop vite. Mais oh, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai tapé dans la nitro, quoi. Quel bordel. J'ai eu chaud aux fesses. Checkpoint. Je peux pas aller là-bas? Non, ok, c'est beaucoup trop loin. Je pense que j'ai fait de la merde en fait, mais c'est passé. Ouais, fallait passer en dessous. En fait, c'était ça en fait. Fallait juste modifier ça, mais c'est passé quand même. Donc, bon. Bon, on n'aura pas encore toutes les. Les caisses.
Vite, vite, vite. Ok. C'est quoi ce machin? Je sais pas du tout ce que c'est. Ouh, ça sent la poursuite, ça. Oh ouais, d'accord. Ah ouais. On peut sauter. Ah c'est tout. En fait, on peut sauter. J'ai loupé des caisses encore. Faut changer. Un checkpoint, s'il vous plaît. Putain. Je fais clouper des caisses, quoi. Ok. Okay. On a 147 sur 168, ça c'est pas de mauvais score, mais bon. Et bien voilà, c'est une petite partie avec Coco. Donc, Bandicoot. Après, c'est une famille nombreuse, hein, les Bandicoots. Je sais qu'il y a Crunch aussi. Hein. Qui est des mémoires, un des cousins de Crash qu'on affronte à plusieurs reprises d'ailleurs dans les anciens jeux. Plongée sur scène. Allez, on continue avec Coco cette fois-ci. Hop, et on verra après. Attention, mes petits lunatiques assoiffés de sang. Applaudissez bien fort de vos petites mains. Tête croquette. Préparez-vous à prendre une rouste, Bandicoot. Mais j'ai rien compris en plus ce qui s'est passé, mais... Firmine mon solo. Oh bah allez, c'est parti hein. En plus, c'est timé, quoi. C'est quoi le problème? Tu n'aimes pas le death metal? Si, j'aime bien le death metal. Ok. Il fallait passer en dessous. Ok. Okay. J'ai pas le temps. Oh, j'ai fait un double saut, il fallait pas quoi. Ça passe un simple saut? Oui. Paniquer. Ok. Ouais, là on a 15 secondes du coup pour aller chercher ce truc. Parfait. Le spectacle doit continuer.
Oula, ça accélère en plus. La concentration, quoi. Voilà, encore une fois. On va faire ça à la gueule. Oh, mais oui, évidemment. C'est pas grave. Attends, je vais me mettre là parce que... sans savoir... Oups, madame. Je vais passer à côté, c'est bon. Et ça, ça va se compliquer, à mon avis. Mais non! Oh, juste le temps de passer, quoi. Il est KO et je peux pas y aller, quoi. On peut pas rester sur les plateformes, hein. Je crois qu'elles sont bonnes. Yes. Ok. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur. Par contre, le... Ah, c'est bon. Non. C'est bon. Parfait. On va repartir avec Crash Bandicoot. Hop là, c'est parti. L'appel du butin. Donc ça sera peut-être à mon avis mon dernier niveau pour ce live, on verra bien. Je pensais qu'il y aurait d'autres caisses, mais non. Mais il faut pas trop les ennuyer ceux-là. Mais j'ai appuyé sur le truc, ça a pas fonctionné. Oh.
Attendez, je reviens. Voilà, me revoilà, tout va bien. Hop. On évite de se reprendre la nitro, s'il vous plaît. Hop, tiens. Mais ça casse aussi ces trucs là, putain, je savais pas moi. Ok, j'ai fait péter le nitro, je crois. Oh, des kraken. Attendez. Du coup, ouais, ça casse, ok, bon. Passe entre eux. Ok, parfait, le checkpoint. Ah, ils sont plus tellement sensibles, les TNT. Dans les anciens, quand elles étaient en hauteur comme ça, et qu'elles tombaient de haut à peu près, je pouvais, enfin, elles se déclenchaient. Et là, c'est plus le cas, malheureusement. Bon. Récupérer les caisses que j'ai loupées. On va essayer de les avoir quand même. J'ai vu, j'allais tomber à côté. Bon, du coup, il faut faire une toupie. C'était mais tellement pas voulu quoi. Heureux qu'on reprend pas depuis le début hein. Ça serait un peu chiant quand même. C'est ça Crash Bandicoot, t'as ce côté très sympa et t'as le côté frustrant. Mais oui, bien sûr. Aller par là? Non, merde. Bon, tant pis, hein. C'est un bordel. Bon, on a loupé la blinde de caisse là. Hein. Tant pis. On aura loupé la blinde de caisse, mais c'est pas grave. Hein. Donc elles sont mec. Ah
Il y a deux chemins possibles là du coup. Dans la noyade est aussi une option. On va voir un peu ce que ça donne par là. Ça a l'air moins risqué, mais je suis pas convaincu. J'ai vu un caché la petite TNT. Oh, ça, lui j'avais pas vu par contre. Non non, elle prend le checkpoint. Elle déconne pas non plus. Hein. Ah, petite zone bonus. Ok. Bon, on va pas déconner non plus. Ouais. Okay. 17 sur 22. J'aurais pas dû faire ça. Plus ça va, ça passe. Ok. Ouais, l'autre il est vachement trop loin quand même. Ok, parfait. On aura tout eu. 110 sur 173 quand même, hein, yes. C'est pas rien quoi. Ok, il y a un énorme crabe. Cool. Oula. Ok. Bah oui, bien sûr. Ça sert ce truc. Oh bah, c'est bien ça. Ah, c'est pour ça là, d'accord. Bon, c'est pas. Checkpoint. Hop, allez, casse-toi, toi. Ah,
147, ouh, le petit trésor. On a 80%, c'est bien. On doit faire au maximum 3 morts, du coup. C'est dingue. On a un beau costume de pirate, mais bon, tant pis. Et on se refait un petit niveau en plus. Et là, on se refait un petit niveau en plus, et puis je pense que ça va être là pour cet épisode. Hameçon, ligne et bouchon. Qu'est-ce que qui est-ce? Je connais pas du tout. Encore une nouvelle bonne écoute. Tenez bon les gars, j'arrive. Mais je connais pas du tout. Ah, elle met des coups de pied, d'accord. Oh, il y a des rats. Pourquoi il fait marquer R2 là? Mais non, 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 bah, bah si. Si, si. Oh, c'est hyper intéressant ça. J'ai failli manger un boulet de canon, quoi. Et voilà, on devrait avoir ça, du coup, nous, un grappin. Prendre toutes les caisses qu'on peut trouver. Ouh, je vais me trouver caché. Oui, bien sûr. Et j'ai un peu de checkpoint. Ah, si. J'ai pas vu. Rien d'autre par là. Merde. Non, on a... Ah mais c'est... D'accord, je croyais qu'il y avait une caisse en dessous. C'est vachement trompeur ça par contre. Je me suis fait toucher, c'est pas grave. Je
Oh, sérieux lui? Oh, attends. Tac, tac. Ah ouais, c'est littéralement 36 000 bateaux, quoi. Attention requin, hop. Oh, il y en a deux. Nope, ça passe. Un, deux, ok, on passe. Il n'y en a pas ici, ok. Ok. La question c'est de savoir si est-ce qu'on a toutes les caisses dans ce niveau. Là on fait tout péter. Je me suis pris le poteau. Comment ça se passe? D'accord. En plus, je voulais pas faire ça, mais... Ah, là, il y a encore un truc. D'accord, très bien, c'était pas ça que je voulais faire. On les aura pas toutes, hein, celle-là en tout cas. Ok, il y a une caisse. Il y a une corde. Trop loin. Eh, hey, merci pour le follow. Bienvenue. Oula, c'est bon. Ah, j'ai l'autre de derrière. C'est bien. Il m'en manquerait une. Merde. Allez, je fais un dernier essai. Non, ok. Je l'aurais pas et hop. J'ai lâché la corde, je vais pas, c'est pas grave. On y retourne. Je voulais la caisse. Visuel. C'est vrai, 86 sur 100, c'est pas mauvais. Allez, niveau terminé, c'est parfait.
bah, du coup voilà. Merci beaucoup. Mais Donna, mais tu es différente. Ah, je sais, tu ne viens pas de notre univers. Contente de vous voir, les gars. Ça faisait longtemps pour moi. On a perdu le contact dans votre univers aussi, hein? Oui, on peut dire ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est mort, c'est ça? Non, non, pas du tout. Alors, comment ça va dans ta dimension? Comme d'hab, un tas de savants fous qui veulent dominer toutes les dimensions. Oh, et qu'est-ce que tu cherches? Des cristaux? Des gemmes? Des masques. Oh, super. Bon, bah bonne chance alors. Attends, tu ne viens pas? Désolée, je vole en solo. Mais je te donnerai un coup de main à l'occasion. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Je me souviens pas d'une Tona dans les anciens. Ah bah c'est le multivers des bandicottes du coup. Bon bref. Et bien on va s'arrêter là pour cet épisode. Tiens, on a une nouvelle cassette. Il y a même un truc avec Tona du coup. Tona, tes propres objectifs. Je veux saigner temporel pour voir comment ça route. 3 sets de Crash et Coco. Ok, intéressant. Et là du coup c'est cassette flashback. Ouais. Et bah du coup dans le prochain épisode on se fera le truc de Tona du coup. Et puis on fera la cassette de Crash. Et le niveau qui reste là. Donc voilà. On se retrouve peut-être demain, on verra bien. Si j'ai le temps. Sinon une prochaine fois. On se dit à très vite.